Bike on to the bike, you can ride it if you like it. Go to the bar, split the bell and rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want. Voilà, la jonction se ferait directement de l'autre côté de la route, au niveau de ce passage à niveau de la T. Et il y aurait juste une signalisation à aménager. Et puis voilà, c'est quelque chose qui peut être fait, qui peut être fait dans un délai assez, assez rapide. Et pour. Ouais. Et puis donc, sans doute pour un budget. Raisonnable. Voilà. Voilà, donc on remercie Alternativa d'avoir organisé son tour et d'être passé en Eure-et-Loir. Voilà, c'est pour nous, c'est l'occasion aussi de se pencher sur ce dossier. C'est aussi l'objet de notre association Cicadap, hein, de s'intéresser à ces problématiques. Il y a tout un tas de notions qu'il faut revoir, rediscuter, prendre l'avis des uns et des autres, des utilisateurs, des gens qui au quotidien auraient besoin d'infrastructures simples, fonctionnelles, sécurisées. Et en même temps, voilà, ça permettrait d'un seul coup, on verrait sortir des vélos de partout. Tous les gens qui sont devant leur télé prendraient leur vélo et ils partiraient sur la route. Ah, on aperçoit au fond les tours de la cathédrale de Chartres. Ouais, ouais. On n'est pas si loin que ça. On est à quoi, 5 km ? Ouais. 5 km de Chartres. Et la ligne de chemin de fer, elle s'en va vers Chartres. Voilà, donc la ligne de chemin de fer, elle est. Il y a juste à la suivre, hein, pour. Ouais, il y a un chemin tout le long. Hein. Tout le long, ouais. Tout le long. Jusqu'à la. Jusqu'au passage qui passe sous la rocade. Ouais, au pont sous la rocade. Voilà. Laurent, là tu t'apprêtes à. Tu résides à la T et tu t'apprêtes à rejoindre l'agglomération parce que tu as une course à faire. Et donc, comment tu vas te rendre à l'agglomération de Chartres depuis la T? Ben, je vais prendre mon vélo, comme je le fais assez souvent. Je vais prendre la voie cyclable qui me conduit. Là où maintenant nous garagistes. Mais donc tu passes par où? Je passe par en sortie de la T, tu prends quelle direction? Je prends à gauche la direction de Ouéret, qui est un hameau d'Amilly, la commune d'à côté. Et ensuite je me dirige, je reprends la voie cyclable juste après le passage. Ça rallonge d'un kilomètre, mais c'est quand même plus confortable au niveau de la conduite. Voilà. Là. Ok, ok. Bah merci. Hein. Je t'en prie. Bonne route. Merci. Ouais, alors donc on est arrivé là sur la route entre Laté et Ouéret, et donc c'est là que ça serait bien si on pouvait tourner directement à droite là pour rejoindre la piste cyclable, n'est-ce pas monsieur l'utilisateur quotidien de la liaison Laté-Lucé? Voilà. Donc bah, peut-être un jour, hein, avant que tu sois vieux, tu verras peut-être ça. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic sur la route en question. Pourquoi? C'est peut-être lié au fait qu'il y a le Tour de France qui passe à Chartres. Beaucoup de trafic, mais peu de vélos, que des voitures.
Et nous avons notre voiture balai qui est disponible. Je vous laisse. Hein. Bon bah à plus tard. Hein. Ouais, donc là on est donc à Ouéré, donc petit village proche de l'agglomération de Chartres, directement relié à l'agglomération par la piste cyclable qui passe sous la rocade. Et surprise surprise, depuis mars 2018, il y a quelques mois, la piste cyclable qui était matérialisée par des pointillés a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Question. Alors, on s'est beaucoup interrogé pourquoi des gens ont été mandatés pour passer des heures de travail à supprimer ces pointillés qui ne gênaient personne et qui pouvaient permettre de rappeler aux automobilistes que éventuellement ils pouvaient rencontrer un vélo sur cette route. Alors voilà, on a utiliser des crédits publics pour supprimer la piste cyclable matérialisée par des pointillés entre Ouéré et Lucé. Pourquoi? Alors une hypothèse, c'est que il fallait donc faire passer l'info que en fait ça n'est pas un trajet destiné au vélo. Et oui, parce qu'en fait, la liaison entre Amilly, qui est un bourg qui se trouve de l'autre côté de la Nationale 23, et Lucé aurait pu se faire en passant par Ouéré. Et voilà, donc les gens auraient dit, bah, vous avez matérialisé une piste cyclable avec des pointillés, donc ça veut dire que vous nous encouragez à utiliser ce trajet pour rejoindre notre lieu de travail à vélo, au lieu d'utiliser la voiture, ce qui a évidemment plein d'intérêts, d'avantages. Oui, mais non, ça ne va pas être possible, parce qu'il n'y a aucun aménagement qui a été prévu pour traverser la Nationale 23. Donc il pourrait y avoir des accidents, il pourrait y avoir des gens qui se fassent renverser, écraser par les voitures, lorsqu'ils traversent la Nationale 23 en venant d'Amilly, et en rejoignant la piste cyclable par ce tronçon sur lequel nous sommes actuellement. Mais donc en supprimant les pointillés, eh ben, on supprime l'idée que l'on peut utiliser ce tronçon à des fins cyclistes. Voilà, ou alors si on le fait, c'est que on le fait à nos risques et périls. Et qu'on ne pourra pas invoquer cette raison pour dire, bah oui, mais vous, la collectivité, vous n'avez pas fait les aménagements, vous n'avez pas fait la passerelle qui passe au-dessus de la Nationale 23, vous n'avez pas fait le passage souterrain qui passe en dessous de la Nationale 23, qui nous serait bien utile, qui nous serait nécessaire pour pouvoir rejoindre l'agglomération par ce tronçon et qui nous serait bien utile. Voilà. Donc, bah, nous, ce que l'on demande, c'est que les aménagements soient faits, sans doute qu'ils coûtent beaucoup moins cher que d'aménager un nouveau rond-point à droite ou à gauche, et ils permettraient de réaliser cette liaison et de la faire en toute sécurité, et que de plus en plus d'utilisateurs passent de la voiture au vélo.